résultat est là et il a fallu aller le chercher. Ouais, effectivement, une course, je dirais, incroyable. Dans la difficulté, un rythme vraiment intense de début à la fin. Et on a passé le tendre à un moment donné dans la nuit pour pas avoir de problème niveau sécurité. Quitte à pas avoir une performance extraordinaire à ce moment-là. Et quand on a repassé les pneus qu'on connaissait, on a réussi à forcer un peu, à rouler en 36-2 au petit matin. Dès que le jour s'est un petit peu levé, là ça a été compliqué. Ouais. On a eu des températures très très basses et en plus on avait de l'humidité. Sur la moto, c'était hyper compliqué parce qu'on n'a pas du tout de trucs pour essayer de lutter contre le froid. Les coéquipiers ont roulé également très très vite et on était vraiment homogène, une régularité incroyable et dans les stands le team a vraiment été bon. Nico, le nouveau crew chief, a super bien bossé aussi, il nous a fait une moto qui était hyper compétitive. I can't stop smiling, it's incredible. Teammates were fantastic, team were fantastic. Looking forward to Spa now. I love Spa, the track is incredible, one of my favourite tracks. And to take this bike around Spa will be amazing.